Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3. J'ai eu le doute hein, pendant un moment. dans lequel nous jouons bien évidemment la Normandie. On incarne notre grande Normandie. Alors. Oui, vous pouvez réclamer le titre de votre seigneur liege, mais ça marche pas parce que je sais pas trop pourquoi. Un nouveau prétendant au titre de toutes les bofonneries que j'ai vues, alors que moi et mon chancelier tentait d'améliorer mes relations avec mes voisins, sans rien reconnu. La revendication du comté Béranger sur le comté de Skill. Ah. C'est vraiment une merde. Pardon, c'est sorti tout seul, mais c'est le cas, non? Ouais, c'est dingue ça. J'ai bien envie d'aller prendre Léon, mais il y a un truc de 3000 soldats là qui me. Fait que je suis pas spécialement serein. Bon, déjà. Je vais créer une unité d'onagre. Ça va me permettre d'être plus rapide sur mes sièges. Ah non. Ah bah non, je peux pas, je suis comte, donc je suis limité à deux types de troupes pour l'instant. J'ai oublié ce détail qui n'en est pas un. Piétaille en armure, ça coûte combien ça? 90, ça. 75. Une discussion suspecte. Alors que je traverse les jardins du château durant une promenade matinale, une douce bruit de porte des voix de Antoine et Ingler. Deux de mes chevaliers, ok. Non, la cour, c'est vraiment dans un coin isolé. Et jette fréquemment des coups de voiture d'eux pour s'assurer que personne ne les écoute. Et que je puisse difficilement distinguer la plupart de leurs mots à cette distance, il est clair que la discussion porte sur Bourgmès, Benoît de Vermont. Écoutons-les. Je parviens à me rapprocher des deux membres de la cour sans qu'ils me remarquent. Ils semblent discuter de la vie privée, quelques habitudes peu recommandables. Du bourgmestre. Incroyance. Ok, ouais. Ouais, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il ne faisait pas ce que tu voulais. J'ai oublié. Oh là là, oui, attends, je vais me mettre dans le gameplay. J'ai totalement oublié. Oh là là, c'est un hérédit. C'est un. Mince, comment c'est déjà? C'est un hérétique. J'allais dire un érudit. Oula. C'est un hérétique. Sus à l'hérétique. Non, c'est pas ça. Alors, tiens, oui, on va aller lui choper le petit comté de Rennes, lui, là. Hein? Y a quoi dans le comté de Rennes? La bonne ironie de Roison. Ok. Ok, j'ai des champs à eux qui ont été agrandis. Oh oui, donne-moi de l'or. C'est parfait. J'examine votre situation et décidé d'accorder d'accéder à votre requête. Que ces fonds vous aident à répondre à la vraie foi dans terre. 400 et des poussières. 400 et des poussières. Ah bah j'ai de quoi. Ah, Charles. Un autre petit-fils. Allez, on va l'appeler Mathieu, celui-là. Ah, avec une majuscule. S'il vous plaît. On va grandir. Ouais, je vais. Préférer agrandir mes champs, ça va me faire augmenter mon or. Heureusement que j'ai gardé un peu d'argent. On a la revendication sur le comté de Rennes, bah que je vais aller chercher maintenant. Écoutez. Il n'a pas d'alliés. Vos revendications, comté de Rennes. Bonjour, bonjour.
Hop. Ah, je vais trop vite, c'est vrai que pour le let's play, faut que je fasse un peu plus doucement. On a levé ce qu'il fallait en troupe. Je vais aller sur la baronnie. Plus il n'y a pas beaucoup de troupes, lui, hein. 523 soldats, j'en ai 1600. Plusieurs de troubles. Quand c'est pas une farce, c'est une bagarre. Un tuteur mécontent ou des genoux éraflés en raison d'une aventure qui a mal tourné. J'en suis arrivé à m'attendre à des bêtises de la part de mon fils héritier Damien. Sa créativité me tient en alerte. On ne s'ennuie jamais. Un enfant chahuteur, gagné en intrigue et en martialité. C'est un bon gamin, au moins c'est un bon vivant. Un bon gosse. Alors, je vais passer par là parce qu'il va vouloir aller sur Avranche. Avranche. Tu veux aller là, toi? Pas de problème. Voilà, on va le rattraper. On va. On va leur faire bobo. Ok, ils ont mutilé le compte. Alors. Puis on va aller directement sur. Sur la baronnie de Nawed. Mon trône a capturé. Ok, on en a capturé 4 péons. Score de guerre plus 50, ouais. J'ai 60 en tout grâce à mes captures. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Salomon, bah c'est le roi ça! C'est le comte de quoi ça? Ah, ça m'intéresse pas. Encore non. Ah, attendez, on va attendre qu'il ait 50. Il y a moyen d'être mieux rémunéré, on va juste attendre, on va être patient. Ah, Rouen, comte bûcheron, niveau 2. Seigneur de Lige. Raison d'un voyage à l'étranger, ok. Bon, lui se barre, tranquille. Pas après tout. Alors, l'unification à l'endroit de pouvoir. Ah, on a bientôt un nouveau mode de. Enfin, une nouvelle amélioration du mode de vie. Donc, je perds peut-être un petit peu près là. Hop là, voilà, ça sera mieux. Petit port à Bayeux. Impec. Là, je peux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Coup de la conversion de la foi, c'est quoi ça? Pas trop ce que c'est, hein. On va faire méthodique. Donc, je sais pas ce qu'est la conversion de la foi. À moins que ce soit tout simplement un. Quelque chose qui fait que ça baisse la. Le prix de ce qu'on peut, on va dire, entre guillemets, acheter avec la foi. Par exemple, la foi nécessaire pour obtenir un titre. Ah, oh, zut, j'ai pas appris les langues. Oh là là, zut. Je viens de m'en rendre compte. Je vais aller apprendre déjà la langue du pape.
Pendant ce temps-là, je vais faire une revendication, cette fois sur Panty-Èvre. Ça, c'est bientôt fini. On a le golfe de Gascogne. On recapture le roi, purée. Il a été deux fois prisonnier, ce couillon. Magnifique, non? Alors. Puis les exigences. Hop là. On a gagné le comté d'Avranches. Bon, c'est un. Des barbares, hein. Ce sont des brutes, des bretons. RP, bien évidemment. Je vais devoir aller à Rennes. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, c'est pas fini, là. Ouais, alors, je vais juste checker quelque chose. Ils ont bien la foi catholique. Ok, c'est bon. Donc à part le fait qu'ils ne soient pas contents, j'aurais pas trop de problèmes. Maintenant, j'ai bien envie d'aller en Léon. Ils ont plus d'alliance. Je crois qu'ils ont... Ah mais si, non, je suis bête. Ils ont toujours ça, ce problème de guerre sainte là. Ah, j'ai pas une alliance avec lui là, en théorie. J'ai qu'à l'appeler, non? Bah, comment ça? Bah. Alors il n'y a pas le duché, hein, il est juste ça, hein, donc en soi. J'ai pas d'alliance, pourtant je suis marié à la fille du roi. Ah mais non, mais il est mort le père. Ah oh, mince, je l'ai zappé. Les gens à se trouver. Mais est-ce qu'il a changé lui? Ah non, il a pas changé. Hein. En plus, il a toujours 3000 unités là. Bizarre, spéciaux. Qu'est-ce que c'est que des trucs spéciaux? Oula. On va essayer. On va voir ce que ça va faire. Ouais, c'est ça, il voulait aller sur mes territoires, salaud. Très vite l'arrêter là. Bon, le problème c'est. Eh, c'est ça, hein. Là, il sort ses soldats spéciaux, je sais pas ce que c'est là. Bon, on va recruter du mercenaire, j'ai pas trop le choix. Ça me fait 2004 contre 3004. Faudrait que je me batte dans un endroit où j'ai l'avantage. Par exemple sur au niveau de Mortray dans les collines. Ou dans la forêt de Cherbourg, de Rennes. Le loup sage dit alors au petit garçon, prenez garde car il y a un, dis-je à haute voix alors que je suis soudain interrompu. Quoi? Le grand comte lit des fables pour enfants, vous n'avez aucune fierté, s'exclame le bourgmestre Rimbaud. Qui c'est toi? Je vais te faire pendre. Hein. T'as quel âge?
C'est inacceptable. Si vos ennemis l'apprennent, ils vous penseront à l'esprit faible. Non, ce sont des classiques vénérés, bien évidemment. Si vous gagnez, vous gagnerez du prestige, un modificateur pour le complot. Si vous perdez, vous serez ridiculisé. Un combat singulier. Bourgmestre Rimbaud. Pendant quelques instants, le bourgmestre Rimbaud et moi tournons lentement. Tournons lentement, en demi-cercle et guettons une ouverture. Je soulève ma hache à me défendre, tandis qu'il saisit fermement son épée. Le combat est supposé s'arrêter au premier sang versé, mais cela ne me rassure pas. Un mouvement brusque marque le début de notre combat. De façon inattendue, Rimbaud parvient à me donner un coup violent au coup de pied au tibia, ce qui m'entrave momentanément. Peut-être bien faire plus fort que vous, on périt avant de briser ma garde. Frappez et ripostez. Exercice vétéran. Gros bonus de santé. Oh! Bah allons faire ça. Le garde Varègue n'encourage pas le relâchement. Il faut un œil vigilant et un bras ferme pour exceller en tant que garde du corps de l'empereur. Et à chaque coup, je montre à Rimbaud comment les porteurs de haches se battent. De façon inattendue, Rimbaud parvint à me donner un coup violent. Encore? Je suis en forme et commets peu d'erreurs. La posture de Rimbaud, quant à elle, est passable. Nous sommes à égalité, la victoire se joue sur le fil de rasoir. Ah! Ah! Juste parce que c'est drôle. Je fais tournoyer ma hache frénétiquement et je me jette sur mon adversaire. Une brume rouge envahit mon esprit et tout tes rages. Sang. Et catharsis, pour je mettre un beau de hardcore qui est mon adversaire, qui fait tourner furieusement son épée autour et près de moi. Je suis en excellente forme, et j'ai donc peu de chances de commettre une erreur. La posture de Rimbaud est, quant à elle, défaillante. Mon adversaire est sur la défensive, mais je dois encore consolider ma victoire. Vous me tenez un couteau à portée de main. Montrer comment je manie hache. Oui. Combat singulier, la victoire. La confiance est la moitié de tout combat et je lance avec fluidité des coups d'entailleur rapides avec toute la confiance de l'expert chevronné. Rimbaud fait de son mieux pour me repousser, mais il est entièrement sur la défensive et sa garde ne fait que s'affaiblir et se relâcher à chaque coup. Quand l'occasion se présente, je fais voler son épée d'un puissant coup tranchant. Dès lors, l'issue du combat est connue. J'obtiens son abandon, avant même d'avoir ramené vers moi son arme. Je suis victorieux. Bien joué à toi. Bon, sinon, pendant ce temps-là, on était en guerre. Hein. Je cède, pardonnez-moi, vous n'êtes pas du tout faible d'esprit. Épargnez-moi, s'exclame le bourgmestre Rimbaud. Oh, on va pas le mettre dans le cachot. Comment ça, deviens mon rival? Mais... Comment ça c'est mon rab... Oh. Bon bah j'aurais gagné pas mal de trucs. Après avoir été insulté, vous avez vaincu le bourgmestre Rimbaud en duel. Ok, très bien. Bon par contre, malgré... c'est bien beau toute cette histoire, mais malgré... mes mercenaires, je ne sais pas si je vais gagner. Est-ce que je peux passer sur la baronnie de Rohan? Voir si je peux tenir ou pas le combat. Attends, il faut que je sois sur la défensive et ce serait bien. Je pense que ça devrait passer.
Cornouailles. Il est passé où lui là? Là, j'y vois pas grand chose. Ih. À 4200, ça picote hein, quand même. Hein, 4200 contre 2400. Comment ça? Ah, c'est ça. Ça y est, l'Aquitaine a. L'Aquitaine a cassé. Enfin, la France a cassé et fait sécession. Oh la vache, il y a des morceaux de partout. Ouais, on va voir. Il veut m'attaquer, il veut pas m'attaquer. Je vais aller à Montaigu alors. S'il veut pas venir, je vais faire un joli siège. Ça va peut-être l'affaiblir. Peut-être. Et au cas où, j'économise un peu. Et je prendrai une deuxième troupe de mercenaires. Et là, je pense que ça se passera, pas trop mal. Bas fourneau ont été construits pour de l'ensemble, ok. On fait un siège, hein, écoutez. Ah zut. Je suis en train de mourir dans mes cachots là, on va les rançonner un peu. Là. C'est pas cool qu'il meure dans mes cachots. Compte à payer, Gérard. Tu es personne, toi. Bon. On va rançonner contre un hameçon. De toute façon, c'est personne. Donc. On va négocier. Tenir un hameçon faible. Faible. Bah, il veut pas. Bon, bah, il va rester dans mes cachots. Il veut pas, moi c'est pas mon problème. Ok. Ah ouais, les routiers de Evreux. Ça pourrait être pas mal ça. Il y a de la cavalerie. Bande flamande, putain. J'ai vu bande de flemmards. J'ai réussi, donc après avoir travaillé dur, je maîtrise enfin la langue italienne vulgaire. Des heures interminables passées à pratiquer l'accentuation et des nuits blanches à améliorer l'intonation en valait la peine. J'ai cherché à imiter l'accent du pape Eugenius et j'en suis sûr qu'il sera impressionné par le résultat. Et bien sûr, les paysans cisalpins me respecteront beaucoup plus. J'en suis ravi. On va voir, ouais, je lui envoie une lettre, on va voir si... S'il y a moyen de devenir pote, lui et moi. Alors, on va apprendre une autre langue. On va apprendre le haut allemand. Voilà. Ça peut toujours servir. Louis III. La revendication va se faire petit à petit au niveau du pays 2. J'ai quel âge moi maintenant? J'ai 23 ans, ok. Elle attend un enfant? Non, elle attend pas d'enfant. Ah non. Dommage. C'est pas très grave. Il y avait quelque chose que j'ai loupé, je crois. C'est qui? Oui, ok. Carlement, s'il y passe, ça redevient français. Hein. C'est plus Aquitain. Bon, le siège de Montaigu se fait. Tranquillement, mais sûrement. Ouais, là, ce serait 354 or. Où les partisans de Lagos, Lagok. Ce serait mieux parce que ça me donnerait des archers, enfin, ils ont des archers et de la cavalerie, ce que je n'ai pas du tout. Donc, je vais très certainement les recruter, en plus ils sont 1500.
Et avec 1512, je prendrais peut-être l'avantage, ou alors on sera vraiment kiff-kiff au niveau du nombre de soldats. Sachant que les miens sont, à part les mercenaires, sont plutôt pas mauvais. C'est qui ça? Ok, d'accord. Allez, on va attendre un petit peu. 2 mois, je crois. Peut-être le temps de finir le siège. Vous en détruire. Et ça, c'est pas bon. Ravition de Tiob. J'ai parcouru. Ouais, une revendication fragile sur le duché de Bretagne. Ah ouais. Ça va un peu contrarier mes plans, mais bon. Là, j'ai une revendication sur l'ensemble de la Bretagne avec ça. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout même. C'est quoi la différence entre eux et eux, là? Il a plus de martialité, lui. Allez, je vais le recruter. Je vais l'envoyer à Rennes. Comme ça, j'ai un score de guerre négatif. Ah oui, oh, t'inquiète. Ça va venir. J'ai la cavalerie qui arrive là. On sera 3000. Toujours pas ça. Aucun bailli nommé. Quoi? Ah zut. Ok. Ouais, on va voir. Est-ce que j'ai moyen de mettre un sénéchal pour... Oui, je vais me prendre un sénéchal. Ça va augmenter un peu le niveau de tout ça. Un maître caravanier. Un médecin de la cour. Non, ils sont nuls. Un ticket, non, maître de la chasse, non. Ok. Ça, c'est bientôt fini. Ensuite, direction Léon. Alors, direction Rennes pour se refaire une petite santé. J'ai un petit peu d'attrition à cause du siège. Hop, alors, siège réussi. On a capturé Ragnar, c'est une machin. Est-ce qu'il y en a un qui vaut cher? Ouh, oui, il vaut cher, lui. Donc, je vais rançonner, c'est le fils du roi, hein. Non? Même pas. Si, c'est le fils du roi. Un des fils du roi, du moins. Je vais rançonner lui, c'est... Ah bah c'est le roi. Tout simplement. Est-ce que avec ça, je vais avoir de quoi recruter? Oui, normalement. Je vais très bientôt avoir de quoi recruter... Ah non, ils sont déjà embauchés. Alors moi, je suppose en plus. Mais ça arrive pile comme il faut, le pape. Impeccable. Je vais recruter une dernière troupe. Hop. Parfait, je vais pas tout utiliser, je vais prendre ça. Hop, 1500 troupes, ça devrait largement être suffisant. Ensuite, bah je vais améliorer mes propriétés. ...4773 soldats. Avec ça, on pourra aller en Léon. En Léon, Léon, je ne sais pas. Plutôt facilement.
Alors on va se donner rendez-vous au niveau de l'évêché de Cornouailles, si jamais il y en a qui se déplacent plus vite que les autres. Hop, au moins. J'ai appris la langue de Clotaire. J'ai appris le Holt allemand. J'en suis ravi. Qu'est-ce que je vais apprendre comme langue maintenant? Je vais apprendre l'anglais au cas où. Au cas où, ça peut servir. Le breton, pas besoin de l'apprendre. On va instaurer le normand comme langue principale. On est 3200? Ah, je me disais, voilà, il s'est oublié lui. On est 4700 et des poussières. On sera 4700 et des poussières plutôt. Normalement, on n'est pas censé perdre cette bataille. À moins qu'il soit vraiment très très fort. Ah, pas mal. Débloquer un nouvel atout dans le mode de vie érudition. Hop, allez. Culture planifiée. Efficacité vient augmenter. Le développement comptal. Oui, c'est bien ça. On va aller au temple de Saint-Paul de Léon. D'accord, en plus, ils sont. Ouais. Un temple païen, je crois. Et direction la baronnie de Brest. Là, ça va se taper là. J'espère que je vais gagner. Oh oui, ça a l'air bien. Antoine a blessé. Vous êtes connu pour votre dénouement envers votre foi. Très bien. On est victorieux, on les a écrasés, hein. Il n'y a pas de mecs qui sont barrés. Hein. Le siège devrait être plus rapide. Il y a pas mal d'unités. Attends. Bon, tu me diras 7 mois, mais... on n'a rien pour casser les murs, donc on ne peut pas l'accélérer. Oh, c'est comme ça. Pendant que le siège se fait... On va aller à Évreux. Et on va améliorer les fermes. D'ailleurs ici on peut encore améliorer les fermes. Et autre part non que je peux améliorer quelque chose. Non. Non. Il y a Rennes mais je veux pas le garder. Je pense pas que je vais garder les territoires bretons. Bon, je vois. Peut-être que oui, peut-être que non. Oui tiens d'ailleurs, en parlant de ça, oh, toi. T'as un coup de... Tu vas resserrer les vis, là? Vous êtes peut-être un comte, mais vous êtes aussi un faquin bavard. Cœur injustifié, exprimé à la fin, voilà. Est une surprise. Elle est très stressée ces derniers temps, mais... se comporter ainsi... Que même elle lutte, c'est apaisant. Ok. Promouvoir la culture. Voilà. On va les cultiver, comme ils disent. Non, les cultivater. On va les cultivater un petit peu, les Rénois, les Rennais. Les Rennais, ouais. On va même les renommer les Rénois. Le maréchal gagne du respect, supervision de maréchal, plus 50 d'opinion populaire. Ok, c'est cool. D'ailleurs, ouais, j'ai pas beaucoup de redoutabilité. Hein. En même temps, j'ai pas grand chose pour en gagner. Ouais, si, je pourrais toujours les exécuter si je fais des captifs. Ça augmenterait un peu ma redoutabilité, je crois. Enfin, ça dépendra après le prix.
S'il va de cher, oh, toujours moyen de s'arranger. Hein, t'es... Ah, on a des fermes en colline. Ok, parfait. Bien évidemment. Cœur sur vous, les Bretons. Faut... Y a pas à dire, en tout cas, votre nouveau drapeau est quand même mieux que celui-là. Ah. Ah là, on a fait le siège de Léon, on n'a pas l'air d'avoir fait de captifs. Donc on va récupérer le duché de Léon. Oh charmant homme, soyez béni, vous et votre maison. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais. Avant de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Alors, faible contrôle en Léon. Et là, normalement, si je me trompe pas, je peux le tuer tranquillou parce que... Alors, pas lui. Pas lui. Lui, je peux parce que... Considéré comme hostile. Brûlé sur le bûcher. Hop. Ah, ça donne pas de redoutabilité, ça, c'est triste. Ah, sniff alors. Et lui là, il s'est opposé à moi, c'est ça? Eh ben on va retourner chez lui. Hein? Deuxième petite guerre sainte. Allez, hein. Il a osé s'opposer à moi. Et bon, on va aller lui taper sur les doigts. En direction Rennes. On va les défendre quand même, faut pas déconner. Bon, Brest, ils vont pas être contents. Et ils sont catholiques, ok. Ça c'est le principal, parce que sinon c'est un peu compliqué à changer la foi. Gagner facilement, tu m'étonnes. Pauvres, ils sont 765. Tâche annulée. Ah zut. Ouais. Alors, mon tuteur, le tuteur de mon gamin, ce sera moi-même. Voilà, Damien, je suis ton tuteur à partir de maintenant. Apprendre la langue réussie, j'ai appris l'anglais. Alors je vais envoyer mon conseiller à Rennes. Hop. Et je vais apprendre Je connais déjà? Je vais apprendre le basque. Ou à moins que. Je vais apprendre le Languedoc-Vulgaire. La Languedoc-Vulgaire. Le Languedoc. En tout cas, ouais, c'est bien divisé l'Aquitaine. Hein. Oh, ah ouais, non mais c'est un délire. L'Aquitaine s'est disloquée. Bellac, il y a Marche, les Bourbons, Toulouse et la Gascogne, et même Barcelone. Oh la vache. Oui. Bordeaux aussi, j'ai pas eu. Ouais, c'est un sacré délire. Hein. Merde. Alors oui, si j'attends là, ça va pas avancer. Hein. Administration française. Une bonne administration française? Oh bah dis. Décidément.
C'est... Ouais. Non, j'aurais dit, j'ai rien pensé. Bon, on a de l'argent à dépenser. On va faire un port de rang 2 à Rouen. Ça va permettre d'augmenter le développement de la ville. Ça augmente les impôts, les levées, etc. Bonne chose. Paix blanche. Non. Comment ça, ils signent tous pour une paix blanche? Bande de sales nigg. Hein? Décline. Vous apprendrez, moi, qui est le chef ici. Bon, toi, rien ne sert de courir. Attends, je vais aller moi-même. Hop, voilà, on divise en deux une partie qui sera toujours sur. Qui fera toujours le siège. Et moi, avec mes troupes qui iront taper. Les méchants. Enfin, les méchants. Pour le coup, c'est peut-être plutôt moi le méchant. Ok, ils ont envahi des terres au bout d'un moment. Moi oh. De toute façon. Les deux sont en tort. Une petite victoire. Bien sympa. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille aussi sur... prendre le Duché d'Alençon. Non. Je récupérerai les duchés de le royaume de Bretagne. Alors, je ne créerai pas le royaume de Bretagne. Je veux créer le royaume de Normandie. Ça n'existe pas. Là, si on voit, hop, titre de royaume. Voilà. Un peu compliqué, quoi. Là, c'est bon, il y a un morceau qui dépasse. Aquitaine, Bourgogne, France occidentale, Lotharingie, France orientale, Frise. Angleterre, Pays du Galles. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Le contrat avec Card a expiré, oui. C'est pas grave. Titre d'empire, bah, l'empire français, germanique, italien, hispanique, byzantin, l'empire byzantin qui est badass. Voilà, si on peut faire un... Perdu, réseau de contrebande, parfait. Guinée, Mali, Tibet, Rajasthan, Empire Bengalais, etc. Empire Scandinave. Empire Grande-Bretagne, Russe. Carpathie, Khazar. Etc. Allez, résumons un peu. Nous, on est là. Vous demandez des revendications à votre chef de foi. Non, merci. Bon, par contre, j'ai de l'argent à dépenser. Oui, s'il vous plaît. Là non. Ouais, ah oui, mais non. J'ai déjà une construction en cours, je peux pas en faire. C'est une cathédrale, hein. C'est pas un évêché? Ouais, il y a la cathédrale de C pourtant qui est connue. Ouais, bah eux là. Eux là. Eux là. Oh ça! Ouais, une bonne expression bas normande. Là. Là. Voilà. Quand tu dis à eux, bah le pays d'eux, eux. Eux. Eux là. À eux là, quoi. C'est pas eux là-bas, c'est eux là. Oh putain. Il est tard, il est tard, il est tard. Ne m'en voulez pas, mais au moins. Au moins, je trouve ça très drôle. Non mais vous connaissez pas la vache normande là? Ah c'est... Dommage, c'est dommage. Mais on les ferme les champs. Maman.
Ok, ça, pourquoi pas. On est déjà célèbre, hein. Bientôt illustre. Purée. Cette activité, ça coûte trop cher. Ah, il n'y a pas le... Dommage. Ah! Il a remonté des troupes. Oula. Eux, là. Voilà, toi, comment ça? C'est là? Ah ouais. Allez, mon gars. Création d'un chef de foi. Ah! Il n'ont pas réactif pendant 10 ans, on va le foutre. Voilà, on va se rebattre parce qu'on aime bien ça, apparemment. Lui couper la barbe. Oh, ok, on a capturé du monde, c'est pas mal. Je vais les relâcher. Enfin, je vais les rançonner sur. Hop, allez, donne-moi 30 d'or là. Alors, je pourrais faire d'autres. Voilà. Merci pour ton or, c'est très généreux à toi. Et là, je devrais. Voilà! J'ai pris en otage. Mon ennemi, le comte Einstein, pendant le siège de Montaigu. Puis-je le rançonner? Oui, on va le rançonner. Et on va appuyer les revendications. Oh, charmant, tu as votre sagesse et votre clémence sont légendaires. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais afin de mettre fin à cette affusion de sang. J'ai appris une langue, je ne saurais pas dire. Mais pendant ce temps-là, j'apprenais une langue, tranquillement, moi. Bon, en faisant un siège, j'apprenais une langue, moi j'avais que ça à foutre. Donc j'ai appris la langue d'og vulgaire. Pour le mettre fin à cette fusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Quoi, dissoudre les troupes. Je vais voir si je peux apprendre. Une petite langue. Le basque. Allez, on va prendre le basque. Ok, là je peux choisir. Voilà, poste 1. Bon, on a Montaigu, et puis la prochaine cible ce sera le royaume de Bretagne. Ah, mais je crois qu'il est occupé là. J'en trêve. Comment ça? Jusqu'à quand? Mois. Est-ce que j'irai pas m'occuper de mon duc alors dans ce cas? Ils sont partout les Bourbons. Tournoi, attendez. En tant que comte, je me devais d'assister à un tournoi de joute local, mais les parties prenantes étaient retardées. Et le tournoi ne commencera pas avant au moins une heure. Alors que j'attends sous le pavillon du comte Walef de Sens. J'entends le sous-pavillon de sang s'approcher de ma tête et s'assied. Un sacré tournoi, hein? Comment allez-vous? C'est qui, lui, le comte Welf? Ouf. Oh, excusez-moi, j'allais justement partir. Bah, c'est toujours bien d'avoir des potes, quoi. À peu près mon âge et on a 3 ans d'écart. Là j'ai eu de bonnes rançons, le contrat de mercenaire se termine, ça me va maintenant. Opinion, ouais. Acceptation culturelle, moins 11. Ça c'est étrange ça. Les Bretons qui acceptent pas bien des Normands. Je l'aurais pas vu venir. Allez. Ouais, oui, on va aller taper sur les Bretons, allez. Bon, il faut attendre un peu, mais bon, voilà quoi. Non, je vais prendre ça d'abord. Me faire déclarer régent. Non.
Autre. Et la propre. Non. Ah, il a des alliés, lui. Le duc de Barcelone, oui, pas mal. Ah, le duc d'Aquitaine. Ah. Ah, il a deux bons alliés, là. Parce que. Alors, certes, il a très peu de troupes, il a que 1400 soldats. Mais attends, quoi? Il a une foi négative. J'ai moyen de le faire excommunier. Ça peut être intéressant l'excommunication. Hein. Parce que là, l'alliance avec l'Aquitaine et Barcelone. Allié, trêve. Allié. Non, se défend contre. Émir. T'es qui toi? Ok. Ouais. Non, on va être patient. Ça va être patient. Quoi, l'unification fait le pouvoir, un truc comme c'est ça? Je sais plus. L'unification engendre le pouvoir. Ah, ma femme est de nouveau enceinte, c'est bien ça. On va améliorer le comté de Brest pendant ce temps-là. Et pareil à Rennes. Ah zut. Faire une exploitation forestière là dès qu'on aura 85 de d'or. Et ok. J'irai réclamer Anjou. Parce que si on regarde le duché d'Anjou, là je vais récupérer du duc de, ne, de Neustrie. De, oui, c'est ça, de Neustrie. Anjou et. C'est de là, je sais plus comment c'est. Le Maine et Sablé, voilà. Et il faudrait que je finisse le duché complet. C'était qui toi? Oui, on était en l'âge de guerre, allez. Il semblerait tous convenir que le monde finira 6000 ans après sa création. D'après les calculs, nous sommes à moins d'un siècle. Oui, c'est ça. Je vais consulter des prêtres. Ouais. Donc je disais. Là, si j'arrive à choper le duché d'Anjou entier avec Angers et Saumur, ce serait pas mal. D'ailleurs, faudrait que je me fasse quelques petites revendications. Voilà. Hop, parfait. Je vais piquer ça, là, un coup, là. Là, il se fait des thunes sur mon dos, en plus, le salaud. Ah, mais ce sont ses alliés. Parce que 4424, c'est beaucoup. Peut-être attendre un petit coup de main du pape. Premier décembre 76. On est en novembre. Ah, il y a moyen. Il y a moyen de commencer incessamment sous peu. Ouais, surtout qu'en plus ils vont à Montaigu là, imaginons l'Aquitaine va à Montaigu, qu'ils se fassent plaisir, rien à foutre. Hop. Guérison voisin, une erreur. Ok, ouais, il y a une petite issue interne.
Alors, on est en novembre. Bientôt en décembre, bientôt le 1er décembre. On va lui demander des thous. En espérant qu'il les ait, parce que oui, des fois, bah, le pape n'a plus de thous. Le pape est pauvre. Le pape est pauvre. C'est pas bon, ça. Bon, en attendant, j'ai réussi à prendre le basque. Je vais apprendre l'ibérique vulgaire. M'arrange pas ça. Hein. Non, tu te... Mais c'est pas vrai, mais c'est qui continue, lui? Il est vraiment pas doué, hein, le comte Milon, là. Oui, pas moyen de le renvoyer. Il est où? C'est le chancelier, là. C'est lui, là, qui fait de la merde. Et il va faire encore plus de la merde en interne, donc... Non, je vais le garder comme ça. Bon, le pape. Et la banque? Allez, encore un fils. Oh la vache. Et c'est fou quand même. Hein. Au bout d'un moment. Pas une fille mariée. Comment je vais l'appeler celui-là? Appeler Paul. Terrible. Trois fils. J'ai pas de fille à marier. Trois descendants possibles. Il y a quelques-uns, va falloir les. Alors les emmener faire autre chose, hein, parce que là. Les emmener se balader en première ligne, ce genre de truc-là, quoi. Le classique, un plus classique. Ah, Bayeux, je peux faire un port de niveau 2. Ah, ça rime. Bon, on a déjà quelques petits territoires, hein, mais... Donne-moi des sous! 702! Ah ouais, ça augmente en plus. M'étonne qu'il n'y ait pas... J'ai moyen de voir cette une à lui. Ah ouais! Ah mais je l'ai ruiné, le pape, en fait. Il gagne 15 d'or par mois. Ah ok, j'ai un nouveau duc. Très bien. C'est ma chance. C'est peut-être ma chance. Alors. Parce que là. Oh, il a perdu le comté de Sablé. Parce que là, il a plus d'alliés. Donc je vais demander le duché de Neustrie. Et il sera pas aidé. C'est parti. Vous pouvez demander pardon, jamais. Pas comme ça, c'est pas un normand qui demander pardon pour une bêtise, mais pas pour ce genre de truc. Quand tu fais de la merde, tu demandes pardon. Et pas quand tu fais une bonne chose. Tu demandes pardon à tes proches, tu demandes pas pardon à ton ennemi. Ok, tu veux pas avancer toi? Merci. Moi sinon le pape il est toujours pauvre. Oh là oui. Bon, il s'en va piller mes terres, hein, là, clairement. Ça, on va essayer de...
faire des choses pas très très bien. Pas gagner facilement en plus. Ouais, fuis. On essaie de courir. Tu vas te faire attraper. Alors, hérésie vaudois en Toscane. Le duc Adalberto de Toscane a annoncé au monde que ses vassaux et lui-même s'étaient convertis à la foi vaudoise. Désillusionné par les enseignements des prêtres catholiques, les nobles de Toscane ne considèrent plus le clergé comme juste et vrai. Ils prennent leur distance par rapport aux anciennes institutions religieuses. Ils se déclarent maintenant vaudois, car ils estiment que leur nouvelle foi est en adéquation avec la volonté de Dieu. Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce? Oh, on va pas changer de... On va pas changer de foi. On arrive à peu près à stabiliser là, donc on va pas foutre le bordel encore plus. Duché d'Anjou, il était en train de se battre contre quelqu'un. Okay. Bon, j'ai gagné la bataille, tranquille. Ouais, j'ai perdu 38 troupes, c'est tout. C'est qui ça? Ah oui. Je peux aller prendre les Bretons. Rançonner. Réputation familiale. Je m'entends bien avec mon gamin qui vient de naître. Pourquoi pas. J'ai réussi à rançonner le duc Gosbert. Ça marche pas, je sais pas trop pourquoi, j'ai jamais compris. On fait dans les comtés, ouais. Ah, j'ai plus de médecins de la cour. Ouais, mais ils sont pas ouf. Ah, ils vont s'entraîner, lui, allez. Il s'entraînera. Ok, lui, il a bientôt fini d'augmenter le contrôle. Ça, c'est bien. On un peu plus. Ok. Le duc Gosbert ne partage plus le pouvoir avec la duchesse Sarrazine. Ok. Mon gamin, je peux devenir son tuteur. Ça tombe bien. C'était le but. Hop. Augmenter le contrôle comptal en Léon. J'ai appris quoi là? J'ai appris Libérique vulgaire. Ok. Qu'est-ce que je pourrais apprendre d'autre comme langue? On va apprendre l'arabe. C'est bien ça. Ça pourra toujours me servir. Au cas où ils font une grande percée, qui peut arriver. J'ai pas bougé le. Mais si on... Des fois ils arrivent, c'est rare, mais à bouffer la Navarre, l'Asturie. L'Asturie, etc. Voire même un peu Barcelone. C'est bien de connaître ses potentiels ennemis. C'est exactement pour ça que j'ai appris la langue de la Francie orientale. Car il se peut que plus tard ils forment la... le Saint-Empire germanique. Oh, Vicentiab, je suis parcouru. Oui, tu vois, pour l'argent.
Oh là, oui, puis je vois que ça fait déjà plus d'une heure de vidéo. Et ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je trouvais que là, pour une demi-heure, c'était un peu léger. On verra un peu plus tard. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Il y a beaucoup de contenu. Désolé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tube.